les Léopards jouent ici et vous êtes la RDC ici, au Zimbabwe. Comment vous avez organisé l'accueil? Comment la mobilisation se passe? Et quel est l'actif au fait de cette rencontre ici? Bon, pour l'accueil, je pense que, bien que je n'étais pas présent, j'ai atterri ici, je crois, 2 heures avant l'arrivée de l'équipe. Mais on avait pris toutes les dispositions. La communauté était là, l'ambassade était là. L'accueil a été organisé. En tant que journaliste, je crois que vous pouvez commenter comment vous avez vu l'accueil. Mais à mon avis, c'était très bien. Bon, nous continuons la mobilisation. Il y a la pluie qui est arrivée. Nous, les Congolais, on n'a pas peur de la pluie parce que notre pays est traversé par l'Équateur. Donc, il pleut 12 mois sur 12. Donc, la pluie, en fait, pour nous, c'est même une bonne chose. Il a plu aujourd'hui. Demain, il y aura les matchs. Je suis sûr que les Léopards ont toutes leurs chances. Parce que quand vous regardez les statistiques du match aller, tout ce qui nous a manqué, c'est cette petite chance. Mais nos gars sont bien exprimés, ils ont bien joué. Et je crois qu'aujourd'hui, quand le Congolais arrive au Zimbabwe, en fait, il est chez lui. Parce que le Zimbabwe est le seul pays où un Congolais peut aller sans visa. Donc, ils sont ici, en fait, à la maison. Même quand le président est arrivé à qui il a dit « I am home away from home ». Donc, les Léopards sont « home away from home ». Et avec ça, je garantis que nous allons avoir la victoire parce que nous allons faire la mobilisation, la communauté sera là pour soutenir l'équipe. Mais comment vous avez organisé la mobilisation ici, justement, pour que le public accompagne les Léopards parce que les Léopards ont besoin de ces 12 hommes? Je ne peux pas commenter. Je vous dis seulement que nous sommes en train de travailler dur en coulisses. Et demain, vous allez voir au stade, les Congolais seront là. Vous venez de voir les joueurs pendant leur moment de restauration. Ouais. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce que vous avez vu dans le chef de certains joueurs? Bon, les joueurs sont... Ce n'est pas ce que j'ai vu, mais ce que je leur conseille. Je vais aller tout à l'heure aux entraînements. C'est qu'ils restent eux-mêmes. Qu'ils soient calmes. Qui se focalisent sur la tâche qu'ils ont et la victoire de la bonne décision. Merci, monsieur l'ambassadeur. Je vous en prie. Merci.